Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui prend place à l'intérieur de la 7e saison consacrée aux figures marquantes de la solidarité. Ce soir, il sera question d'une grande gastronome et d'une fantastique pédagogue de l'art culinaire. Solidaire des femmes au foyer, des ménagères qui devaient souvent préparer des repas pour des grandes familles, mais avec des petits moyens, Jeanne Benoit, née Patnaud, voit le jour donc à Westmount en 1904 et elle s'éteint à Sutton en 1987. Même si elle est issue d'un milieu aisé d'entrepreneurs, ceci explique peut-être d'ailleurs cela, elle-même a été une femme très entreprenante, son parcours est absolument fantastique, impressionnant. Toute jeune, 18 ans, après avoir fréquenté les bons collèges pour jeunes femmes, pour jeunes filles, elle se rend à Paris étudier la chimie alimentaire à 18 ans à la Sorbonne, juste après la Première Guerre mondiale. Durant les années 30, elle ouvre un restaurant chic sur l'île Sainte-Hélène. Elle ouvre aussi une école pour les jeunes qui veulent apprendre à mieux cuisiner, qui va d'ailleurs peu à peu faire sa renommée. Et cette renommée va se transposer assez rapidement dans les médias, à la radio et aussi à la télévision, où elle va enseigner ou expliquer des recettes. Et elle va devenir une véritable célébrité, en étant très souvent à la télévision, en anglais et en français. Cette célébrité qu'elle va conquérir au fil du temps, à force de passer au petit écran, cette notoriété n'était pas fondée sur des choses factices. Ça reposait sur un vaste savoir, beaucoup, beaucoup de connaissances, comme on le verra durant cet entretien. De grandes connaissances dont elle fera la synthèse dans son encyclopédie de la cuisine canadienne qui va paraître en 1963 et qui va être un immense best-seller. Je suis pas mal certain que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont ce gros livre là, hein, épais, presque 1000 pages dans leur cuisine ou dans leur bibliothèque et qui le consultent à l'occasion. Pour nous parler donc de cette femme hors du commun, nous avons invité une écrivaine, une romancière qui compte à son actif une soixantaine de livres, des romans jeunesse, des romans policiers, hein, la fameuse Maud Graham, qu'on suit de roman en roman, des romans historiques aussi. Et dans son œuvre, la gastronomie occupe une place très importante. Et elle a, de son propre aveu, une dette à l'endroit de Jeanne Benoit. Il me fait donc vraiment plaisir d'accueillir pour vous Mme Christine Brouillet. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Éric. Christine Brouillet, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir d'être là pour parler de Jeanne. Oui, Jeanne. Oui. Alors, ben, j'appelle Jeanne. Moi, Vous êtes devenue une intime. Là. Oui, absolument. J'ai vu ça dans votre recherche. Vous accordez, je le disais dans mon introduction, une place importante à la gastronomie dans votre œuvre. Oui. Est-ce que Jeanne Benoit a quelque chose à voir avec cet intérêt, cette passion que vous Jeanne avez? Jeanne Benoit a été mon premier contact avec les livres de cuisine parce que, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, presque tout le monde avait l'exemplaire de l'encyclopédie de la cuisine. Moi, c'est une réédition de 1991. Ah, c'est l'édition originale, la couverture était jaune. Alors, oui. Alors, c'est ma belle-sœur qui en héritait. Mais moi, je me souviens enfant que maman, quand elle m'a dit « Christine, va donc chercher le Jeanne Benoit », c'était la consécration. Maintenant, j'étais assez grande pour faire la cuisine, aider ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère faisait 100 tartes à Noël. 100? 100. Au cas où il y aurait de la visite. Il y avait toujours de la visite. Il y avait des gens qui étaient au courant. Et donc, moi, ça faisait partie du quotidien. Et c'est des moments vraiment de communion avec ma mère. Et ce livre-là était sur le comptoir de la cuisine en permanence. Alors, il y a des recettes que je fais encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, parce que ça me rappelle les bons moments que j'ai passés. Le macaroni aux tomates et fromage cheddar l'été, c'est génial. En fin de semaine, j'ai fait un pudding aux pommes. En fin de semaine, vous avez consulté l'encyclopédie? Oui, parce qu'il est taché, le livre, là, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai qu'il y a Il y a
Il y a du vécu. C'est son exemple. Il y a du vécu, voilà. Oui. Donc, moi, c'est Jeanne Benoît, je lui dois beaucoup de choses. Je trouve qu'd'abord, cette femme-là était extrêmement avant-gardiste. Et ça, j'ai été élevée par une mère, une grand-mère féministe. Et Jeanne Benoît, on avait du respect pour cette femme-là. Oui. Mais je disais alors, que vous me disiez avant que vous avez publié une soixantaine de livres. Vous ne les comptez même plus. Hein? Bon ben, vous êtes rendu une soixantaine. Je suis meilleure en français qu'en calcul. Mais ça vous a jamais tenté d'en faire un de cuisine? Ah là 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 là. Chambre 1002, c'est une histoire d'amitié et de gourmandise. Il y a des recettes de cuisine parce que les femmes essaient de ramener leur amie à la vie qui est dans le coma en lui faisant sentir des petits plats. Il y a plusieurs recettes que j'ai mises à travers le livre. J'en avais mis aussi dans un guide que j'avais fait sur le champagne et dans les promenades de mon grand-père. Moi, j'ai peut-être une trentaine de recettes un peu partout, il y en a peut-être plus, mais c'est énormément de travail. Alors, j'ai une admiration absolue pour les chefs qui se commettent et qui font des livres de cuisine. C'est tout un... En plus, pour mettre ça... Bon, Jeanne, on peut dire quand même que les photos sont ordinaires. Là. C'est pas comme aujourd'hui, mettons. Mais pour faire quelque chose de beau là, aujourd'hui, là, faire un livre de cuisine, là, c'est un travail colossal. Ça te prend des stylistes culinaires, ça prend ci, ça prend ça. Moi, ce n'est pas mon expertise. J'aime ça faire la cuisine. Je mets des recettes de temps en temps. Mais de là à faire un livre, non. D'abord, on réinvente pas la roue. Hein? Oui, mais ce serait la touche de Christine Brouillet, peut-être. Oui, en tout cas. Ouais. Il y aurait la recette de Jeanne, de macaroni. Oui. Ça, c'est sûr. Je l'améliore un petit peu. Je mets plus d'olives, là, mais... Oui. Vous avez déjà publié un chapitre dans un ouvrage sur Jeanne Benoît et vous me disiez, c'est l'enfer, trouver des sources. C'est quand même étonnant. Hein? C'est étonnant et désespérant. Et j'explique ça d'une simple manière, mais j'ai peut-être tort, mais c'est mon côté féministe. Je pense que si ça avait été un homme, il y aurait eu beaucoup plus de documents sur elle, sur cet homme-là, puis elle, Jeanne Benoît, qui aurait mérité vraiment qu'on écrive sur elle bien avant. Ça a été fait quand même. Madeleine Paulin puis Marie Desjardins ont écrit un livre sur Jeanne Benoît qui est romancé. Il y a une fiction qui est très bien faite, qui est très intéressante. Mais il y a très peu de choses. Et les documents que j'ai trouvés, c'est des petites lignes par-ci, par-là, à travers toute l'histoire de la gastronomie québécoise. Mais Jeanne, qui est un personnage marquant, important, tout le monde la connaissait, c'était une célébrité, cette femme-là. Mmh. Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas plus de documents? Il y a peu de choses de sa famille. Vraiment, je me suis arraché les cheveux en écrivant sa biographie. Bien, j'étais contente quand même de creuser puis d'en apprendre davantage sur elle, mais je suis restée sur ma faim. Oui, c'est ça. C'est, donc ça. C'est le cas de le dire, sur ma faim. C'est bien, mot bien, bien choisi. Alors, donc, vous avez réussi à glaner des informations sur sa vie, son parcours, sa vie professionnelle, sa vie un peu personnelle. Et c'est de tout ça qu'on va essayer de témoigner durant notre conversation, notre entretien. Mais en effet, il n'y a pas... Alors, peut-être que cet entretien va donner le goût à une jeune historienne ou à un jeune historien se lancer. Eh bien, bravo s'il trouve davantage, parce qu'on est plusieurs à avoir fait des recherches, puis on se casse les dents. C'est comme... Même au niveau de la famille, il n'y a pas resté des archives ou très c'est, peu. Je ne comprends pas. Ouais. Alors, Jeanne Benoît, elle vient quand même d'un milieu aisé. Absolument. Elle vient d'un milieu aisé, c'est parce que des fois, on a l'impression que les Canadiens français, avant la Révolution tranquille, c'est la dèche mur à mur. Mais non, il y a une bourgeoisie canadienne française. Absolument. Son grand-père paternel, Hilaire Patenaude, était agriculteur, mais élevait des animaux. C'est un homme qui avait du bien, comme on disait à l'époque. Il avait de l'argent, assez d'argent pour envoyer ses fils étudier à Montréal. Alors, Hésiophe puis Alfred ont étudié tous les deux. Hésiophe est devenu avocat, lieutenant-gouverneur. Et Alfred, le père de Jeanne, est entré dans la banque. Il a fait des sous, il travaillait bien, il travaillait sans problème. Mais il a aussi inventé une méthode pour apprendre l'anglais. Et c'est ça qui a fait faire des sous, parce que cette méthode-là a été vendue. Et cette méthode-là a été testée sur Jeanne. Donc, Jeanne était parfaitement bilingue. Donc, ce qui fait que cette méthode-là, qui a été célèbre, a rentré de l'argent dans la maison, assez d'argent pour que, quand Jeanne a décidé d'aller étudier à Paris,
il puisse y payer une année à Paris avec sa mère l'avait accompagnée. Elles habitaient à Paris, mais tu sais, à l'époque, c'est pas tout le monde qui faisait ça, là. C'est traversé, ils habitaient à Westmount. Mm-hmm. Ils étaient dans les beaux quartiers. Donc, c'est une famille qui était... Puis du côté de la mère de Jeanne, c'était les cardinales. Puis les cardinales, c'est des boulangers, mais c'était des gens prospères aussi. Et elle avait un oncle, Joseph, qui a été le premier à faire des croissants au Québec. Alors... Je pense qu'elle devait beaucoup l'aimer. Oui, on imagine. Mais puis même politiquement, ils étaient assez différents, les deux familles. Ils étaient différents, puis il y en a un qui était pour la tempérance et un beaucoup moins. Puis il y en a qui... Ben, le grand-père cardinal et sa tante Rosanna, eux autres, ça lisait Voltaire, puis les livres à l'index. Mais de l'autre côté, on était un petit peu plus sérieux. Et vous évoquez dans votre recherche des relations... Peut-être un petit peu plus difficile avec sa mère? Bien, je crois que sa mère était une femme qui était coquette et qui aurait aimé que sa fille s'intéresse à la mode, à des choses plus féminines. Puis Jeanne, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Donc, elle était plus proche de son père. Puis ne serait-ce que parce que son père lui enseignait l'anglais, il y avait un lien qui était créé entre eux. Puis cette gourmandise-là, elle était peut-être que dans la cuisine, elle pouvait aider sa mère, mais il devait avoir une bonne qui faisait la cuisine. Donc, ouais. Je crois qu'elle s'est rapprochée de sa mère quand elles sont allées vivre à Paris ensemble, parce qu'elle est allée quand même à deux reprises. Évidemment, on n'envoie pas une fille de 17 ans à Paris en 1918, se débrouiller toute seule, sans chaperon. Donc, elle a créé des liens avec sa mère, mais parce que sa mère avait surtout envie d'aller à Paris. Je pense que c'était pas tant accompagner sa fille qu'il y avait déjà trois autres enfants à la maison, deux autres ou trois autres. Donc, ouais. Et Jeanne aussi, elle a eu une chance et une malchance, c'est qu'avant sa naissance, ses parents ont perdu un petit garçon, un petit-fils. Et cet enfant-là, quand Jeanne est née, je pense que le père a cristallisé sur Jeanne les espoirs qu'il avait sur ce garçon-là. Il ne l'a pas élevé comme une fille. À l'époque, permettre à une jeune femme de partir pour le continent, c'est pas tout le monde qui faisait ça. Mais là, vous allez un peu trop vite. On va y revenir là-dessus. Mais avant, parlez-nous de son éducation, parce qu'elle va quand même fréquenter les bonnes écoles. Bien oui, les collèges privés. Donc, en 1910, vous l'avez dit, elle est née en 1904. Elle étudie, pour bien le dire, à la Congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Et elle est pensionnaire, alors que le couvent se trouve tout près de la maison, mais les religieuses ont insisté pour qu'elle soit pensionnaire. Donc, elle est pensionnaire, elle retourne à la maison, les grandes vacances, Noël, Pâques et tout. Ça. Ensuite, elle va étudier chez les Dames du Sacré-Cœur à Sauteau-Récollet. Et puis après, elle va vouloir entrer à McGill. Elle termine ses études au Sacré-Cœur. C'est en 1918. Donc, elle est prête, elle, à aller à l'université. Elle veut continuer, elle veut étudier. Elle a une envie d'étudier. Mais non, on n'accepte pas de francophones. Elle est frustrée. Et c'est là que, dans sa tête, germe l'idée d'aller à Paris. Et elle va étudier encore le Sacré-Cœur, mais le Sacré-Cœur à Paris. Elle va se retrouver pendant un an et elle va étudier pendant qu'elle est à l'école au Sacré-Cœur de Paris. Elle va aller à la merveilleuse école de cuisine Cordon Bleu. Oui. Que Julia Child aussi a connue. Donc, cette école-là était distincte de la Sorbonne. Ah oui, absolument. La Sorbonne, c'est son deuxième voyage. D'accord. Elle revient... Et elle n'est pas prête à se marier tout de suite. Sa mère avait vraiment envie de la pousser dans les bras d'un homme, mais ça ne l'intéressait pas. Donc, elle a vraiment insisté auprès de son père. Puis, bon, ils sont repartis, sa mère et elle, à Paris. Et c'est là qu'elle est allée étudier la chimie alimentaire avec Édouard de Pomniane, qui avait écrit beaucoup. Mais elle n'a pas fait que ça, étudier la chimie alimentaire. Elle s'est inscrite au cours du comédien, l'atelier Charles Dulin, parce qu'elle caressait le rêve secret d'être comédienne. Ça n'a pas fonctionné tout à fait comme elle l'espérait. On s'est beaucoup moqué de son accent. Mais ce qu'elle a appris là, quand même, elle a appris à articuler, à projeter sa voix. Donc, tout ça, ça va lui servir des années plus tard. Elle ne peut pas s'en douter au moment où elle est humiliée, mais quand même, elle aura pris des bonnes leçons et ça va être utile plus tard. Mais ce qui a été surtout utile, c'est les cours de chimie alimentaire à la Sorbonne. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus, avec ce groupe scolaire, elle a voyagé en Grèce, à Londres, où elle a assisté à une conférence d'Escoffier. Escoffier, c'est le créateur de la pêche Melba. Donc, on aime cet homme. Et donc, Jeanne a assisté à cette conférence-là. Donc, ça a été pour elle des années, mais
formatrice extraordinaire, puis elle était très douée, puis elle était très attentive, c'était une bonne élève, là. Assez que de Pommière, il a dit, mais pourquoi vous ne restez pas en France? On va vous trouver du travail, on va vous garder. Mais elle a préféré quand même rentrer. Elle s'est dit, je vais toujours me faire parler de mon accent. Donc, je rentre à la maison. Mais quand elle est rentrée, c'est sûr que là, sa mère voulait la marier. Là. Ouais. Et elle l'a mariée. Mais justement, donc, elle revient de ses études à Paris, où elle étudie la chimie alimentaire notamment. Elle envisage d'être comédienne, mais bon. Avant d'étudier son parcours, peut-être un mot justement sur sa vie privée, c'est-à-dire que... Ça ne sera pas long, je vais vous dire. Ouais, mais ça serait, non, mais un mot, mais peut-être deux, ouais. Mais parce qu'elle a deux maris. Donc, oui, c'est ça. Voilà, on s'entend, Eric. On va s'entendre là-dessus. Voilà. Alors, mais qu'est-ce en fait, qui se passe? C'est bon, un peu mystérieux. Oui, Jeanne se marie en 1926 avec Carl Zimmermann, qui est vendeur de commerce, donc représentant, donc il se promène beaucoup, il n'est pas souvent à la maison. Elle non plus, elle est occupée, vraiment très occupée. Ils ont une fille en 1927, Monique, qui plus tard aura deux enfants. Et quand elle fonde son école de cuisine, qui a beaucoup de succès, en 1940, elle rencontre Bernard Benoît, qui a 13 ans de moins qu'elle, mais ils se plaisent énormément, ils se plaisent assez qu'ils deviennent non seulement amis, mais amants. Et là, la guerre les sépare. Lui, il va quitter, il va aller en Europe. Et elle, ils vont s'écrire pendant 5 ans. Et ils vont se marier en 1940 à Londres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas lu des choses sur le divorce et je n'ai pas lu sur l'annulation, sauf une phrase quelque part qui pourrait nous faire penser que... Et en fait, en tout cas, ils se sont épousés parce que ça permettait à Jeanne de voyager en Europe plus facilement avec Bernard. Le fait d'être, de ne pas être conjoint, c'était compliqué à l'époque, donc ils sont mariés. Ils se sont mariés à nouveau religieusement au décès de Carl Zimmermann en 1964. Donc, ils ont quand même été... Puis je ne peux pas vous en raconter beaucoup plus, hormis le fait que Bernard aurait eu un enfant avec une autre femme et que Jeanne aurait accepté ce garçon-là quand ils ont eu leur élevage de moutons plus tard. Là. Mais on trouve très, très peu de choses sur Jeanne Benoît. Puis bon, en fait, c'est pas sa vie privée qui est intéressante, c'est ses réalisations, parce que c'est une femme hors du commun. Mais sa fille va, je pense, mourir avant elle. Oui, sa fille décède d'un cancer quand elle est jeune. Donc, ça aussi, ça a été extrêmement difficile. Donc, elle aura deux petits-enfants. Oui. Donc, bon. En 1935, donc, après avoir ouvert un restaurant, d'ailleurs, ce restaurant, c'est pas là où était le Hélène de Champlain plus tard? Mais je ne sais pas, je pense que oui. Oui, hein? Oui, ça serait ça. Donc, serait elle ouvre un plausible. Restaurant oui. Chic. Chic. Et ensuite, l'année suivante, c'est vraiment des années très occupées, elle ouvre cette école. Cette école de cuisine qui est vraiment le fumet de la vieille France. Elle n'est pas idiote, hein? Je veux dire, elle sait très bien qu'elle va expliquer qu'elle étudie à Paris. Et bon, ça lui donne une petite aura quand même assez sympathique. Et effectivement, ça va fonctionner. Elle va avoir beaucoup de bourgeoises anglophones parce qu'elle enseigne autant en anglais qu'en français. Alors, elle a créé ça pour les citadines, en fait, parce qu'à l'époque, la religion, l'État et l'Église, ils voulaient garder, il y avait un exode vers les villes, et les prêtres voulaient que les gens restent à la maison. Donc, ils avaient créé l'enseignement ménager, la femme était l'âme du foyer et tout ça. Bon, d'accord, mais je pense qu'il pouvait être l'âme du foyer aussi à Montréal. Puis Jeanne s'est dit, bien, je vais créer une école de cuisine qui va être dans le côté pratique, mais aussi, si vous recevez, sachez recevoir. Il y a des recettes, dans le livre, il y a des choses qui sont plus élaborées que d'autres. Il y a des recettes bien basiques, là, mais il y a des recettes qui sont plus sophistiquées. Donc, elle a parlé à tout le monde, Jeanne Benoît. Je pense que ça a été sa grande force, c'est de s'adresser vraiment. D'abord, elle n'était pas snob. C'est une femme qui était jolie, mais ce n'était pas une pin-up. Là. Donc, elle n'était pas menaçante. Puis, elle avait une facilité de communiquer, vraiment, un grand naturel. Donc, ça l'a aidée durant toute sa carrière. Donc, elle ouvre cette école, mais c'est 8 000 élèves qu'elle a eus. Il faut les nourrir. Alors, elle s'est dit, ben, je vais ouvrir le salad bar. Le salad bar, c'est l'entrée du commensal. Elle a créé, c'était pas un végétarien, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y aurait eu des gens qui se seraient, puis il y avait des hommes autour qui venaient manger. Tout le monde savait que le salad bar existait. C'était où? C'était tout près du Ritz. Ah oui, oui.
Donc, elle avait un peu, vraiment des gens qui étaient intéressés d'aller luncher là. Ben oui. Et là elle, au début, on était, elle n'était pas sûre de son succès, mais ça n'a pas été long. Elle servait 1000 personnes par jour. Donc, 1000 repas par jour. Donc, c'était vraiment un succès. Ça a été un truc extraordinaire. Et il y avait effectivement des légumes là, dans la salle à bar. Il y en avait pour tous les goûts. Et ça fonctionnait. C'était un buffet, je crois. C'était un buffet. C'est puis ça les gens, c'est ça. Elle avait vu ça aux États-Unis, puis s'était dit, car, je vais faire la même chose. Et ça a très bien fonctionné. Malheureusement, il y a eu un incendie. Et à ce moment-là, elle s'est dit, je ne vais pas reconstruire le salad bar. Elle a préféré donner des cours. Puis il faut dire aussi que 143 et la guerre était là. Alors, financièrement, partout, tout le monde en souffrait. Alors, ce n'est pas le temps de se lancer dans des grosses dépenses. Je vais continuer les cours privés. Elle a commencé à faire un peu de télé, de radio et tout ça. Et puis finalement, elle est allée rejoindre Bernard qui était en Europe. Alors, elle a travaillé pour des réfugiés en Angleterre, un peu partout. Et puis, elle est rentrée après. Elle est rentrée en 46 ou 47. Et là, obligée de vivre chez papa-maman, je pense qu'elle n'est pas restée longtemps, non. Quand même. Non, ça n'a pas, pas été. C'est correct, mais ils ont fondé leur maison d'édition. Ouais. C'était bien parce qu'elle commençait à publier ses ouvrages. Donc, il fallait... C'est ça, donc elle commence par publier. Mais ses débuts dans les médias, donc... Qu'est-ce qui l'amène dans les médias? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Comment elle passe du salad bar avec cette renommée? Bien, je pense que c'est venu des cours. Probablement que des journalistes ont vu des gens qui travaillent dans les médias se sont dit « mais elle est une excellente communicatrice. Mm-hmm. Elle est claire quand elle donne des explications. » Moi, j'ai vu des cours extraits. Oui, on peut en voir facilement. C'est charmant. Oui, c'est sympathique. Mais elle est précise. Oui. Elle ne s'enferge pas des fleurs du tapis, là. On sait ce qu'on dit. Puis, et en plus, elle est précise comme elle l'est dans l'encyclopédie. Il y a un côté mathématique là, qui est vraiment parfait. On a des quantités, on sait à quoi ça correspond. Moi, je trouve ça éclairant encore aujourd'hui. Mmh. Donc, elle a été repêchée par des gens qui Mais étaient intéressés. Mais elle commence dans les journaux, à la radio? Elle fait à la radio, elle est à l'émission Féminin 3 fois par semaine, quand même. C'est une émission à la radio? C'est une émission à la radio. Oui. Et elle avait dit, on peut avoir des brochures pour les auditrices. Bien, tout le monde, il y a eu 14 000 demandes. Alors, les gens étaient intéressés par les recettes de Jeanne Benoît. C'était la preuve. Elle a fait une classe de maître au forum. Oui, alors ça là... 10 000 personnes non, ça, se sont déplacées. C'est hallucinant. Est-ce que vous saviez ça? C'est fou. Mais attendez un peu, là. Attendez un peu, là. Là, au Forum, on va voir les Canadiens, ou on va voir un show rock. Là, on a eu 10 000 personnes pour aller voir Jeanne Benoît faire une classe de maître au Forum de Montréal. Je regrette de ne pas avoir été là. Donc, on est dans les années 50. Bien oui, elle a fait ça. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de la date, mais oui, effectivement, c'était 10 000 personnes. Mais elle était connue parce qu'elle faisait des publicités aussi. Donc, à la télévision, on la voyait annoncer le Cadbury, Dainty Food. Elle avait été engagée aussi par le Conseil national du mouton pour promouvoir la viande de l'animal qui était beaucoup boudée par les gens. Donc, elle était partout à la fois. Après ça, c'est la télé qui a commencé. Alors, la télé, c'était aussi, il faut dire, autant en anglais qu'en français. Mm-hmm. J'ai parlé de féminin, le fait de femme d'aujourd'hui, bien sûr. Mais en anglais, c'était Living, Open House, Take 30 avec Adrienne Clarkson. Elle écrivait en plus pour la revue des temps modernes, pour le Reader Digest. Elle était partout à la fois. C'est quasiment le Ricardo de son temps. Oh oui, absolument, absolument. Oui, oui, la comparaison est très juste. C'était une business sur deux pattes. Oui, elle n'a pas créé d'objets, par contre, mais elle a fait la promotion de faux, de plein de choses, là, d'objets. Ça, elle a fait la promotion. Ouais. Donc, puis elle avait un thème de voix tellement particulier. Et chaque fois qu'on l'entendait, on savait que c'était elle qui faisait une annonce à la télé. On peut penser que c'est une des... C'est pas la première chroniqueuse, je sais pas. Oui, je pense. En tout cas, de cette envergure, certainement, parce qu'elle était vraiment. Je pense que. En plus, de travailler autant à Toronto qu'à Montréal. Oui. Parce qu'elle s'est promenée, là, elle faisait ça chaque semaine, d'aller-retour. Elle avait une. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle dormait, cette femme-là. Et là, vous nous racontez dans cette recherche aussi que vous nous avez proposée. L'écriture de ce livre-là, dans quelles circonstances elle en vient à décider justement de,
d'accoucher de cette brique. Bien, je trouve ça charmant parce que Bernard a eu un poste à Paris en 1962. Et il n'était pas question qu'il reparte puis qu'elle reste. Si elle avait vécu ça une fois, il n'y en était pas question. Donc, elle a décidé de le suivre à Paris. Alors, ils avaient un appartement près de la Tour Eiffel. Et elle s'est mise à rédiger l'encyclopédie de la cuisine canadienne. C'est plus de 1000 pages, 1200 pages, en fait. Et c'est complet. C'est autant tout ce qu'elle avait appris avec Édouard de Pommiane, elle l'a rendu, probablement en clarifiant puis en vulgarisant un peu le côté scientifique. Puis quand je dis vulgariser, mais d'une façon précise et pas en tournant les coins ronds, non, c'était pas son genre. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement rigoureux. Et c'est ce qu'elle avait découvert à Paris, mais aussi ce qu'elle avait découvert dans ses voyages. Alors, à l'époque, elle s'intéressait aux épices étrangères. Ils n'étaient pas nombreux, les gens qui s'intéressaient à ça, mais Jeanne, oui. Et c'est la cuisine autochtone, elle s'est penchée là-dessus aussi. Il y a un délicieux ragoût d'écureuil dans le livre de cuisine. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Bien, je n'ai pas attrapé la bête. Hein? C'est... Et mon chat non plus. Ouais. Alors, Si on vous voit courir après un écureuil dans un parc, là, c'est peut-être pour le prochain ragoût. Hein, c'est ça? Sincèrement, moi, j'ai lu la recette. Là. Bon, il y a beaucoup de vin. Il y a du vin blanc, j'imagine, je peux comprendre. Il n'y a pas beaucoup de viande. Hein? Non, mais c'est, ben, en plus, il faut que ça cuise des heures, cette affaire-là, parce que c'est un peu nerveux, un écureuil. Si on veut que ça s'abandonne, je crois que. Puis il y a du bouillon, il y a beaucoup d'oignons, tout ça. Bon, ça se peut faire une recette comme ça, mais l'intérêt de cette recette-là, et puis c'est le fun parce qu'elle a été publiée en 1963, mais moi, j'ai la réédition de 1991 et la recette est encore là. Et je me dis, ça ressemble quand même à ce qu'était Jeanne. Jeanne, elle avait envie que tout le monde ait accès à la cuisine. Et les gens qui avaient des foyers qui avaient moins d'argent, il y a des gens qui trappaient, il y a des gens qui chassaient. Et il y a vraiment une part qui est faite aussi au gibier. Puis ça, c'est important. Mais pour des familles nombreuses qui avaient moins d'argent, ben oui, si tu avais un petit lance-pierre puis tu étais capable de tuer un écureuil ou deux, parce que je pense qu'un pour une famille, c'est léger, on en prend plusieurs. Mais pourquoi pas? Elle faisait vraiment tout ce qu'il y avait, on pouvait le manger, bien, on l'apprêtait. Puis c'est vrai que quand les choses sont bien faites, c'est peut-être délicieux, le ragoût d'écureuil. Là. Bon, a priori, ça ne me tente pas, parce qu'on se dit que c'est quand même un rat quand on enlève le poil. Mais pourquoi pas? Mais on pense à l'origine. Hein? On oublie, oui, mais je me dis, non, moi, j'ai mangé des insectes. Je ne sais pas pourquoi je ne mangerais pas d'écureuil. Ah oui? Bon. Alors, vous qui l'avez justement beaucoup potassé, ce livre, avec votre mère, mais ensuite vous-même, et ce n'est pas mon cas, donc c'est vraiment une vraie question, hein, parce que est-ce qu'il y a autant de place accordée, je ne sais pas moi, aux desserts, aux plats principaux, aux entrées? C'est assez bien réparti. Oui? Oui, oui. Puis, une chose qu'il faut dire aussi de ce livre-là, parce que quand on l'achetait à l'époque, je vais retourner un peu en arrière. Comment elle a rédigé ce livre-là? Elle était à Paris et elle envoyait ça à une secrétaire à Montréal par la poste. Alors, déjà, il fallait faire confiance à la poste. Parce qu'on a un exemplaire. C'est, et alors, ah, oui? Écoute, tu sais, ben, moi, tu sais, je pense à Marie de l'Incarnation, 300 ans auparavant, 400 ans auparavant, qui écrivait 300 lettres par été pour en faire partir sur deux bateaux différents puis garder une copie pour la maison-mère à Québec. Mais Jeanne, elle n'a pas tout fait ça en double puis en triple. Donc, elle envoyait ça. Alors, 1200 pages qui se sont baladées au-dessus de l'océan. Bravo que tout soit arrivé. Et le livre se vendait 20 $, mais comme 20 $, ça pouvait être, on a parlé des familles nombreuses qui avaient moins d'argent, comme 20 $ pouvait être une somme à débourser, elle a insisté pour que ça soit aussi publié en fascicules. Ah. Alors, c'était édité dans des fascicules qui étaient distribués chez Steinberg. Donc, les gens pouvaient acheter le truc qui les intéressait, je ne sais pas, sur le poulet ou sur la tarte au citron. Ou, bon, il y avait quand même des possibilités de bottes de pas nécessairement tout avoir. Mais moi, pour l'avoir vu, ce livre-là, partout, chez toutes mes tantes, chez toutes les voisines, je pense qu'elle a quand même une vendue. Les chiffres sont, j'ai pas lu les mêmes chiffres, mais entre 1,5 million et 2 millions. Anglais, français.
C'est comme, on ne parle même plus de best-seller, là, on parle d'une révolution. Là. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel. Là. Exceptionnel avec un prix. Même aujourd'hui, à c'est exceptionnel. Donc, ça veut dire que ça a été pour elle une sécurité financière, probablement. Oui. Ça lui a donné. Oui. Elle a vraiment. Elle a voyagé aussi, donc elle a pu se permettre de faire des voyages parce qu'elle avait une certaine aisance financière. Ils ont acheté aussi Noir Mouton, mais là, j'ai un peu d'avance. Là. Mais si on revient sur cette encyclopédie, vous avez dit ça, puis j'aimerais ça qu'on brode un peu là-dessus. On dit encyclopédie de la cuisine canadienne. Enfin, je ne le vois pas dans cette édition de luxe, mais je pense dans l'édition originale, on disait canadienne. Mais je ne sais pas pourquoi on parle d'édition de luxe, parce que je pense qu'elle est plus luxueux que l'autre que j'avais avant. C'est pareil, c'est les mêmes recettes. mais vous insistez sur le fait qu'elle avait une connaissance très large. Donc, la cuisine canadienne, mais qui a été très métissée avec... avec les Anglais, les Français, les Autochtones, mais aussi une connaissance des cuisines étrangères. Oui, elle avait été marquée quand elle était jeune. Elle avait été dans une librairie, hein, mon Dieu, ça c'est un lapsus d'auteur, dans une épicerie tenue par les frères Basile qui étaient grecs. Et là, les épices l'ont fascinée, toutes les feuilles de vigne, toutes ces choses-là qu'elle ne connaissait pas et qui ont été pour elle extrêmement inspirantes. Donc, beaucoup, beaucoup de recettes de Jeanne Benoist sont des recettes exotiques. Bon, pour nous, c'est moins exotique maintenant parce que depuis, on a voyagé. Il y a eu 1967, l'Expo. Puis l'Expo, on s'est promené d'un pavillon à un autre. On a découvert la cuisine des autres pays. Mais elle était en avance, encore là, elle était en avance sur tout le monde. Elle faisait des recettes que personne ne faisait avant elle. Alors, elle avait une curiosité. Et la curiosité aussi, c'est important pour la cuisine autochtone. Elle s'est penchée sur comment ils travaillaient, par exemple, comment ils ont fumé le poisson, les viandes. Pour elle, c'était extrêmement intéressant. Le maïs, ça, c'est vraiment dans son ADN, Jeanne Benoist, de s'intéresser à tout. Il n'y avait pas rien qui était négligé. Comment c'est fait, puis comment je pourrais faire chanter un plat, parce que une queue de castor, je pense que tout nu, ça ne doit pas être d'un grand intérêt, mais si on sait l'apprêter, pourquoi pas? J'en ai jamais goûté, là, mais c'est peut-être bon. Mmh. Alors, elle avait cette ouverture d'esprit hors du commun. Et je pense que c'est pour ça que c'est complet. Puis encore aujourd'hui, moi, quand je consulte cette encyclopédie, pour ce qui est des... Je l'ai dit, mais je le répète parce que je trouve ça formidable. Pour ce qui est des quantités, elle va nous donner, par exemple, tant de grammes, parce qu'elle nous explique le système métrique aussi. Parce qu'au moment où Jeanne est arrivée, on est encore au système anglais, le système ancien. Donc, puis je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore passés au système métrique. Là, mais je suis consciente sûrement de ça. Sûrement pas dans cette salle. Mais bon, on s'habitue, on pèse et tout. Mais elle nous donne, par exemple, tant de grammes, ça va vous donner 10 amandes. Bien, ça, j'aime ça, moi. Ouais. Parce que si je n'ai pas la balance à côté, là, je ne suis pas obligée de tout calculer pour mon dessert. Je trouve ça formidable. C'est pratique, c'est concret. Elle explique les températures, elle explique les réactions chimiques de tel aliment. Ça, c'est sa formation. C'est de sa base formation qui la, de qui la chimie sert, alimentaire. Puis ça, elle nous donne ça au début du livre. Donc, on est vraiment pris en main. On nous explique comment il faut faire. Puis ça va être ça, 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 puis ça. Puis c'est hyper bien. On ne peut pas ne pas trouver une recette. C'est archi bien organisé à la fin. Toutes les recettes sont là. Je trouve que c'est un livre qui est complet. Puis c'est un livre qu'on a mis un peu de côté parce que, oui, les photos ne sont pas attirantes. Mais bon, c'est l'époque. Hein? Et je trouve ça un peu dommage parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Avis à un éditeur, peut-être une nouvelle édition mieux illustrée. Ben, c'est-à-dire qu'on devrait faire un livre des meilleures recettes de Jeanne Benoist, puis là, avoir un vrai styliste culinaire. Oui. Puis les avec des les photos remettre. D'archives, peut-être. Parce que de Jeanne moi, je fais des fois des soupers rétro, puis je trouve ça le fun de retourner dans les recettes. Puis là, c'est amusant quand on regarde les quantités, parce qu'on s'est mis à faire un peu plus attention à ce qu'on mange et tout ça, même si quand même, à part de la santé. Mm-hmm. Mais des recettes de fondu. Bourguignonne, avec dans l'huile, avec toutes les sauces qui vont avec. Tu te dis, mon Dieu Seigneur, on a déjà mangé ça. Oui, et oui ben, moi, on j'ai a... mangé ça dans ma famille, en tout oui, cas. Oui, oui, moi aussi. Mais tu te dis, c'est vrai peu. Que c'est riche. C'est peut-être riche. Pas celle qu'on garderait, mais quand même. Mais la tarte au citron. Oh. Ah oui. Hein. En 1967, elle s'installe à Sutton,
Je pense que c'est une initiative de son conjoint. Oui, en fait, Bernard Benoît avait acheté en 1956 la maison et le terrain qui était immense à Sutton. Il avait envie vraiment d'être un gentleman farmer. Et il était prêt à travailler fort parce que c'était du rock. Là, tu sais, ça. Ça a été juste faire le terrain, ça a été quelque chose. C'est vraiment un travail colossal qu'ils ont fait. Elle n'était pas là en permanence parce qu'elle continuait à donner faisait encore des émissions à la radio ou à la télé. Donc, elle était beaucoup à Montréal, beaucoup à Toronto. Donc, elle se promenait, mais vraiment sans arrêt. Lui, il était plutôt basé à... Et ils ont appelé leur domaine Noir Mouton parce que Bernard, ce qu'il voulait, c'était élever des moutons. Et c'était une race qui venait de la race Hampshire, qui venait d'Écosse. Et le grand-père Patnaud de Jeanne, lui, il en avait déjà fait venir de ces moutons-là. Puis c'est des moutons qui ont un beau bec, un beau museau noir. Donc, ils ont appelé le domaine Noir Mouton. Et puis, c'est un domaine où je pense que les gens étaient très heureux d'aller parce que quand Jeanne a fini par s'installer là, elle s'est installée en 1967. Elle était là d'une façon plus permanente. Et elle a commencé à faire la cuisine sur place. Elle a commencé à recevoir des journalistes. Tout le monde voulait aller à Noir Mouton. Regarde, on va se d'abord, elle les nourrissait, ces gens-là. Mm-hmm. Ils venaient faire un reportage. Elle a établi des recettes de cuisine parce qu'elle a beaucoup écrit, Jeanne Benoît. Donc, c'est devenu son domaine. Et puis, en plus, le mouton, ce qui est charmant, c'est que tu ne perds rien. Tu sais, tu as la laine. Et donc, ils ont fait une petite boutique où on pouvait acheter des choses. Ils ont rentabilisé, mais ça reste que c'est un truc qui est extrêmement, extrêmement cher. Et je pense que ça devait être à peu près dans cette période-là qu'elle a perdu sa fille. Sylvie Delbuguet, qui était la fille de René Delbuguet, qui prenait des photos de ce que Jeanne faisait. C'est vraiment un photographe qui est d'un styliste culinaire, quelque part. Là. À l'époque, mm-hmm. c'était nouveau. Et cet homme-là tenait avec sa mère, avec sa femme, le restaurant La Mère Michel. Et Jeanne Benoît est une cliente à Montréal de ce restaurant-là. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et elle a vraiment sympathisé avec sa fille, Sylvie. Et Sylvie a fini par aller travailler avec Jeanne. Elle a pris un peu, c'est devenue une fille adoptive. Et elle a beaucoup aidé Jeanne dans toute la période où elle était à Noir Mouton. Bon, finalement, Sylvie, elle a fait une autre vie. Mais elle a quand même été très, très présente. Et je pense que ça a atténué aussi la peine de Jeanne au moment du décès de sa fille. Donc, c'était des gens qui ont été importants. Puis je pense qu'il y avait de la fidélité, il y avait des liens d'amitié qui se sont créés, qui étaient très forts. Et ça, c'est une époque, ça devait être fou d'élever les moutons, de faire les émissions de télé, d'avoir les journalistes qui débarquaient, de s'en aller à Toronto, de revenir, et d'essayer de voyager à travers ça pour avoir des nouvelles idées. C'était une femme, ce que je dis, comment, mais quand est-ce qu'elle dormait, cette femme-là? Mmh, mmh. Aussi, le mouton, je veux dire, les gens mangeaient du bœuf, essentiellement, oui. Les Québécois, les Canadiens français. Oui. Elle a peut-être influencé la cuisine. Elle a influencé, c'est sûr qu'elle a influencé, parce que les gens n'étaient pas portés à manger de l'agneau ou du mouton. Mmh. Moi, mon père, il me disait, ça pue la laine, mais tu sais, mange ça, si c'est bien fait, ça va être bon. Mais à l'époque, c'était comme ça, effectivement, du bœuf, du veau, du poulet, mais mouton. Mais elle avait décidé que les gens allaient manger du mouton. Puis je pense que quand Jeanne avait décidé quelque chose, eh bien, ça se faisait. Alors, dans le livre, j'ai compté, là, il y a plus que 80 recettes avec du mouton. Ah oui. Voilà. Donc, elle a mis le mouton à l'honneur. Ouais. Et autant les recettes de mouton classiques avec la sauce à l'amande que les recettes de mouton de kebab, de à la broche, de méchoui, de ce qu'on peut imaginer. Elle a décidé, elle, qu'on allait aimer ça, le mouton. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a été quand même. C'est le Conseil national du mouton qui ont demandé de faire de la publicité pour le mouton parce qu'elle avait des compétences, parce qu'elle avait aussi l'enthousiasme. C'est pas juste. Je pense que jamais cette femme-là était d'une honnêteté absolue. Elle n'aurait jamais vendu un produit auquel elle ne croyait pas. Donc, et là, comme elle a élevé le mouton, elle s'est dit, ben oui, moi, je connais ça, puis je vais parler du mouton, puis tant mieux. Puis, effectivement, quand on lit ça, c'est un exercice difficile, préparer une conférence sur Jeanne Benoît, parce qu'on a faim tout le temps. Ah oui, là, vous... je commence à avoir l'estomac qui... Oui, c'est cela. Oui. J'ai quasiment envie de manger du mouton. Hein. Je suis un peu surpris. Moi, je pense que je vais faire de l'agneau en fin de semaine. Je suis à peu près certaine. Vous dites... Une femme d'avant-garde, hein, une femme qui a une curiosité, qui voit les autres cuisines, les autres épices qu'elle connaît moins, qui intègre tout ça.
Dans les années 70, arrive une invention assez révolutionnaire qui s'appelle le micro-ondes. Alors là, on pourrait dire que c'est la fin de la cuisine. Ben, il y avait sûrement d'ailleurs des gens qui annonçaient c'était l'apocalypse. Non, parce que l'apocalypse, c'était que le four pouvait exploser. C'est un objet extrêmement dangereux. Alors, les gens ne voulaient pas en acheter. Avoir un four micro-ondes, es-tu folle? Tu vas mourir. Donc, oui, ça faisait peur. Ça faisait très peur. Ouais. Alors, Panasonic a été obligé d'engager Jeanne Benoît pour promouvoir, le montrer qu'on peut faire de la cuisine au micro-ondes. Et vous voyez, je suis encore là pour vous en parler. J'ai fait quelques recettes et rien n'a explosé à la maison. Tout va bien. Et vraiment, elle a mis le micro-ondes sur la carte. Là. Je veux dire, sans elle, je sais. Bon, non, c'est probablement qu'on se serait habitué. Puis après quelques essais-erreurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu des accidents au début, là, mais quand même, c'est un œuf qui explose dans le micro-ondes, c'est sale, puis c'est tout, là, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais les gens avaient peur. Puis en plus, à l'époque, c'est facile de partir des rumeurs, des ondes. Est-ce que ce n'est pas des ondes dangereuses qui vont dans notre tête et qu'on va toutes devenir des créatures de on ne sait trop quoi? Alors, les gens avaient la trouille du micro-ondes, puis bon, elle a calmé le jeu, parce qu'ils ont dit, écoutez, ça va bien, le micro-ondes, on peut. Et elle l'utilisait elle-même énormément. Bon, d'abord, les recettes qu'elle avait créées, il a fallu qu'elle les adapte pour le micro-ondes. Donc, juste pour la cuisson, c'était quelque chose qui était extrêmement différent. Alors, on ne pouvait pas finalement avoir un micro-ondes sans pas utiliser le livre de Jeanne Benoît sur la cuisine au micro-ondes, parce qu'on était des néophytes, on ne savait rien. Alors, elle a tout calculé, elle a tout refait avec sa rigueur absolue qu'on lui connaissait. Et les gens qui avaient envie de travailler avec le micro-ondes pouvaient y aller sans trop de danger. Quoique, à condition de suivre la recette comme il faut. Là. Oui, mais, ça a été un succès total. Là. C'est que la compagnie Panasonic appartenait à Matsushita. Ben voilà. Alors là, justement, le micro-ondes et puis son travail dans la publicité pour vendre les micro-ondes, pour dire aux gens on peut cuisiner avec les micro-ondes, ça va l'amener à faire un voyage, en fait plusieurs voyages au Japon. Qu'est-ce qu'on sait de ces voyages? Est-ce qu'elle va en rapporter quelque chose? Elle a fait 3 voyages au Japon. Et le dernier, je crois qu'elle avait 82 ans. Et ils ne pensaient jamais qu'elle avait cet âge-là. C'est, ils l'ont appris, je ne sais pas grand, mais ils se sont dit, mon Dieu. Puis bon, il y avait un respect pour les aînés. Ils la respectaient encore plus. Mais elle avait tellement tellement fait connaître le Panasonic. C'est une idole, une icône là-bas. Et elle a adoré le Japon. Ça a été une découverte pour elle. D'abord, elle a rencontré le peintre Fujita. Et elle s'est intéressée, bien évidemment, à la cuisine japonaise. Alors, les sushis, les tempura, les sashimi, bon, tout ce qu'on connaît maintenant puis qu'on trouve à tous les coins de rue à Montréal maintenant, à l'époque, c'est loin de ça. Même si on avait eu Expo 67, reste qu'il y a beaucoup de choses qui étaient restées dans les pavillons d'Expo 67 et qui n'avaient pas été démocratisées. Elle s'est intéressée, bien sûr, et c'est fascinant de dire à cet âge-là, elle avait encore une curiosité absolue pour tout ce qui se passait ailleurs. Ça devait être une compagne de voyage formidable en plus, parce qu'elle avait de l'intérêt pour tout. Et manger avec elle, ça devait être... Ah oui, on apprenait des choses, on dégustait. Ouais, ouais. Elle va mourir le 24 novembre 1987. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces dernières années, justement? Bien, ces dernières années, elle a continué à travailler parce que, d'abord, elle a expliqué le système métrique, qu'elle est engagée pour ça. Et elle continuait à nourrir son mari 3 fois par jour et elle appréciait énormément le micro-ondes pour ça. Et elle écrit un livre de cuisine pour enfants parce qu'elle avait des petits-enfants. Donc, elle s'est dit, ben pourquoi pas? Alors, elle écrit aussi pour les enfants. Là, ça, c'est vraiment jusqu'à la dernière, je dirais pas heure, mais vraiment les derniers moments de sa vie. Elle devait, je crois, faire une émission de radio la veille ou de télé la veille de sa mort. C'est une femme qui a travaillé là, vraiment, vraiment jusqu'à la toute fin. Et elle est décédée, son mari était présent. Elle est décédée, comme vous dites, le 24 novembre 1987. Et je pense qu'il faut... Margaret Atwood a parlé de Jeanne Benoît en disant « Elle fait une little dynamo ». Et tu dis « Ouais, c'est un petit dynamo, cette femme-là ». Tu sais, on parle du petit lapin Duracell qui ne s'épuise jamais.
Mais elle, jusqu'à la toute fin, elle a été intéressée. Jeanne Benoît, dans notre imaginaire, c'est associé à la cuisine populaire, au grand public, aux femmes à la maison, qui c'est pas associé, disons, à la fine cuisine. Je pense pas dire rien de méchant en disant ça. On l'associe pas à la haute et fine cuisine. Mais vous nous dites qu'il y a quand même des chefs reconnus qui ont exprimé leur dette à la gare de... Pourriez-vous nous en parler un peu? Ben oui, moi, je pense à Jean Soulard, mais je pense aussi à Normand Laprise ou à Daniel Vézina, qui sont des chefs qui ont cette conscience de tout utiliser dans un animal ou un produit. On ne gaspille pas. On va prendre la peau du poisson, on va prendre les pelures de tomates. On ne va pas jeter. On n'est pas dans le gaspillage. Et ça, je pense que Jeanne a insufflé ça et ils ont suivi cette trace-là. Mais je vais vous reprendre quand même sur le fait que ce n'est pas une chef, une grande chef. Mais en fait, il y avait, à l'époque, les recettes pour recevoir sont les recettes chic de l'époque. Ouais. Tu sais, si on prenait des Lyrie de voir Archiduc ou c'est les coquilles Saint-Jacques, des choses comme ça, c'est ce qu'on retrouvait dans les restaurants français, les escargots à l'ail, le fondu parmesan, tous ces classiques de la cuisine française, on les retrouve dans les livres de Jeanne Benoît, puisqu'elle avait étudié en France et ses cours de cuisine et tout ça. Et contrairement à Julia Child, on la compare beaucoup à Julia Child, mais Julia Child s'est intéressée uniquement à la cuisine française. Jeanne, elle, quand j'ai parlé de cuisine amérindienne, cuisine de la Nouvelle-Angleterre. Enfin, les voisins, la cuisine, c'est ça. Quand on parle des chefs aujourd'hui, eux autres aussi s'inspirent de tous les courants. Alors, on travaille beaucoup les fruits de mer aujourd'hui. Quand je vois les chefs qui ont une conscience puis qui le répètent, et on le sait qu'ils sont attentifs à ça, les poissons, on les préserve, on essaie de faire attention, on veut tracer les produits. Cette attention-là, elle l'avait déjà, et ça, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est un héritage considérable ce que Jeanne Benoît a laissé. Puis je pense qu'elle va continuer à faire des petits à travers les chefs qui eux-mêmes ont développé les mêmes habiletés. Les légumes oubliés. Les légumes oubliés, quand tu sais, du topinambour, mon Dieu, les crônes, tous ces trucs-là, on n'utilisait plus ça pendant un certain temps. Et les chefs aujourd'hui les reprennent, travaillent avec ça, nous font découvrir. Et les chefs aussi s'intéressent à les produits. Ils veulent des produits qui sont bons, qui sont faits par des maraîchers responsables. Et ça, c'est important aussi. On mange mieux qu'on mangeait au Québec, il y a même il y a 20 ans. Là. C'est de mieux en mieux ce qui se fait ici. C'est vrai que c'est plus sophistiqué. On a des assiettes qui sont jolies, qui chantent plus. Mais c'est quand même agréable, des fois, de retourner dans les vieux classiques. Là. Une bonne crêpe Suzette, là, c'est pas désagréable. Ah, c'est pas moi qui va vous dire le contraire. Ah, on est d'accord, là. Non, on est absolument d'accord. Je vais vous poser une question un petit peu plus, délicate. Dans vos derniers romans, je vous ai entendu en entrevue, vous parlez de la cause des femmes, vous dites « ma mère était féministe, ma grand-mère était féministe », vous-même, évidemment. Qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui pourraient dire « oui, mais Jeanne Benoît, là, est-ce qu'elle n'a pas contribué justement à ce rôle très stéréotypé de la femme, la ménagère à la maison, qui a son livre de recettes, qui fait les repas pour la famille, mais qui n'en sort pas? » Non. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Parce que oui, elle a fait des livres pour les femmes qui faisaient la cuisine, mais c'était l'époque aussi. Je veux dire, des femmes qui quittaient la maison, puis qui travaillaient, puis qui ne faisaient jamais manger pour personne, ça n'existait à peu près pas. Donc, elle a, au contraire, simplifié le travail des femmes, parce qu'il y a des recettes qui sont plus longues à préparer, mais il y en a, c'est vraiment rapide, là. Donc, ça simplifie le travail des femmes au foyer. Elle travaillait pour des femmes qui étaient des citadines aussi, alors qu'il n'y avait pas nécessairement un potager à côté où tu faisais des plats d'avance, t'organisais, faire une épicerie pour les foyers que ça coûtait moins. Et je pense que Jeanne n'a pas, parce qu'elle était elle-même, m'a montré l'exemple d'une femme qui pouvait réussir une carrière. Parce que cette femme-là, elle était sur tous les fronts en même temps. Donc, elle écrivait, elle animait, elle cuisinait, elle faisait de la publicité, elle faisait tout. Alors, une jeune femme qui voyait aller ou qui prenait des cours avec Jeanne Benoît, elle devait dire,
Bien, si elle est capable, peut-être que moi aussi. Donc, elle donnait plutôt aux femmes un exemple d'une réussite de carrière. Et puis, sa vie privée, on en a très peu parlé, mais quand même, avoir un amant de 13 ans plus jeune que toi, c'était un peu avant-gardiste. D'avoir même deux maris. Eh oui. Donc, d'avoir deux maris avant qu'on transforme la loi sur le divorce. Oui, là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre parce que je n'ai rien lu d'extrêmement précis. Là. Ouais. Mais reste que toute son attitude, voyager comme elle a voyagé, se dire oui, je suis prête à essayer, je vais y aller. Elle n'a pas eu peur du micro-ondes, elle aurait pu avoir peur. Puis elle ne s'est pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ne serait-ce que dire à 18 ans, je vais aller prendre des cours de chimie alimentaire. Il fallait être culottée et de cacher à sa mère qu'elle étudiait le théâtre. Elle a fait ça en cachette. Là. Sa mère n'aurait pas été d'accord parce qu'on sait bien que les comédiennes, c'est des femmes de mauvaise vie. Donc, elle a fait beaucoup de choses avec une espèce d'indépendance. Elle avait du front. Elle était aimable et c'est pas quelqu'un qui enfonçait les portes d'une façon outrancière, mais je pense qu'elle était, c'était une avant-gardiste, c'était une visionnaire, c'était une femme dépareillée. C'est un beau mot, ça. Oui, j'aime ce mot-là, ça, moi. Mon grand-père le disait souvent, un homme dépareillé. Mais cette femme-là était une femme dépareillée, puis moi, je regrette de ne pas l'avoir connue, parce que j'aurais eu du plaisir à échanger avec elle. Mais je pense à elle, vraiment, il y a des recettes qu'à chaque fois que je les fais, oh, mon Dieu, j'entends sa voix, là. Si particulière. Alors, on a la chance de vous avoir, Christine Brouillet, avec nous, une invitée de marque. Tous nos invités sont importants, mais on est très honorés de vous avoir avec nous. Donc, peut-être un petit pas de côté, puis pour comprendre, vous, pourquoi la gastronomie occupe cette place dans votre œuvre? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça va chercher? Bien, je pense que j'écris des romans policiers surtout, et ces romans-là sont très noirs. Je suis toujours sur des thématiques qui sont graves, parce que Maud Graham, elle est vraiment sur les crimes contre la personne. Donc, on est dans des meurtres, dans des viols, des incestes, bon, des choses sombres. Et les moments où les personnages se retrouvent pour manger, ce sont les seuls moments que j'ai de plaisir quand j'écris. D'abord, quand j'écris, je suis extrêmement concentrée, donc je ne suis pas dans la joie et l'allégresse. Je veux que les choses se tiennent, puis il y a cloche et ficelle. Alors, quand j'ai le moment vient où Maud Graham et son équipe se réunissent ou sa famille, les recettes qui sont écrites, ça, c'est des bonheurs d'écriture, vraiment. Et comme je suis extrêmement professionnelle, je teste les recettes. Ah, ben oui! Évidemment, alors, ça s'impose. Mais oui, il faut. Parce que si jamais on avait l'idée de faire la recette... Vous faites sûr que si la recette est dans le livre, c'est parce que je l'ai aimée ou pas aimée, moi, je vais expliquer pourquoi, mais c'est un dévouement, ça! Hein, le sacrifice. Pour la littérature. Le sacrifice, hein? Monsieur. C'est ma vie, ça. C'est ma vie. Oui, j'ai fait un livre sur le champagne et j'ai été obligée de cracher. Ah. Imaginez la volonté que ça me prenait. Vous faites vraiment un dur métier. Là. Ah, c'est tellement difficile. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont heureux. Et quand je parle de restaurant, moi, quand je vais au restaurant, je ne suis pas une convive intéressante parce que j'arrive avec mon petit carnet. Et là, je prends des photos, je regarde le plat, je dessine dans mon carnet le plat. Puis là, je mets des petites flèches avec toutes les indications de tout ce que je reconnais, je repère. Et après, je prends des notes, je pose des questions au chef. J'imagine une première date, là, ça oui. doit pas être oui. simple oui. De sortir j'ai, avec j'ai, vous. Heureusement, j'ai un amoureux gourmand. Et le contrat, c'est qu'on prend toujours des choses différentes, puis à la moitié pile de l'assiette, on change de plat. Ah. Comme ça, on peut goûter à plus de choses. Mais c'est vrai que j'ai toujours ça en tête. Et moi, ce qui me repose le plus, c'est vraiment de faire la cuisine. Ça me détend. J'aime ça. Et je trouve que c'est rassembleur. Puis quand dans mes romans, je fais souvent appel à des policiers ou des gens qui travaillent dans des métiers, bon, les avocats, tout ça, ou les gens qui travaillent au laboratoire de sciences judiciaires. Et très souvent, ce sont des bons vivants. Et on peut s'expliquer pourquoi. C'est que tu fais un métier, quand tu es policier, c'est un métier qui est dur, qui est difficile. Tu as besoin de décompresser. Là. La table, c'est l'endroit parfait. C'est le moment où il y a le partage. C'est un moment de grâce. Même si c'est sur le pouce, puis on n'a pas besoin de faire... Moi, je fais des Wellington en croûte, mais j'adore le spaghetti aux tomates. J'aime ça, des choses simples. J'ai pas besoin de choses compliquées. Quand on est avec des gens qu'on aime, c'est bon. C'est ça. Manger, c'est bien sûr le plat, mais c'est aussi le lien qu'on crée autour d'une table, autour d'un bon repas. Oui, puis les auteurs de polar, on est beaucoup à parler de cuisine dans nos romans. Moi, j'ai fait une conférence sur littérature noire et gastronomie. Je ne suis pas la seule.
Je pense à Montalban, je pense à, mon Dieu, Menkel moins, parce que les Suédois, on sent que la cuisine, c'est pas trop leur truc. Ils boivent beaucoup de café puis de pâtisserie, mais Donna Leon, avec le commissaire Brunetti, on se promène sur les traces de son personnage dans la ville. Je sais pas si j'ai le temps d'expliquer comment allez-y, ça fonctionne. Allez-y, oui. Parce que je suis allée à Venise, sur les traces de Brunetti. Il y a un livre qui est sorti avec 8 parcours ou 9 parcours dans Venise. Alors moi, je fais les parcours, on s'arrête dans les restaurants où est allé où le personnage de Brunetti va manger, où est-ce qu'il travaille, on plein d'endroits. Et les restaurants qui sont conseillés, je les ai testés, ils sont excellents. Et moi, j'étais certaine qu'à chaque fois que j'arrivais avec mon guide sur les traces de Brunetti, qu'un serveur allait réagir, me dire « Ah oui, vous suivez Donna Leon et tout ça. » Et il y avait zéro réaction. Puis je me dis « Bien, voyons, je sais pas si la dit en français, mais on voit bien Brunetti, là. » Et j'ai appris que Donna Leon... Elle est traduite en, je sais pas, une trentaine de langues, mais pas en italien. Elle refuse qu'on la traduise en italien. Elle veut avoir la paix dans sa ville. Ah! Donc, elle est incognito, un peu un régent du charme. En Italie. En Italie. Ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais donc, heureusement, parce que j'aurais pas pu la lire autrement. Mais, ouais. Mais donc, je suis allée sur les traces de Brunetti. Et j'ai fait des... Donc, je ne suis pas la seule à aimer de mettre de la gastronomie dans les romans. C'est un moment de bonheur, de grâce. Oui. Alors, pour conclure, il nous reste 2-3 minutes. Si je vous demande, là... Pourquoi, d'après vous, Jeanne Benoît mérite de faire partie de notre petit panthéon à nous, des figures marquantes de notre histoire? Qu'est-ce que vous, en 2 minutes, là, comment vous pourriez nous ramasser ça? Je vais vous dire en 2 mots, héritage culinaire. Elle est la mémoire de ce qui s'est fait au Québec. Elle est là pour rester, je crois, même si on est passé à autre chose. C'est important de se pencher sur ce qui s'est fait avant nous pour comprendre le présent et surtout l'avenir. Et ce que Jeanne a créé, ce que Jeanne a écrit, ce qu'elle a donné, comme quand je parlais des espèces menacées, des légumes oubliés, de tout travailler, de tout prendre d'un produit, de rien laisser à l'abandon, de rien jeter, je pense qu'elle a inculqué ça. Alors moi, pour moi, c'est notre mémoire. Il faut la conserver. Merci beaucoup, Christine Bouillet. C'est un plaisir. Vraiment un honneur de vous recevoir. Merci. Combien ça pèse? C'est assez lourd. Alors, évidemment, il faut aller lire l'encyclopédie de la cuisine canadienne de Jeanne Benoît. Et si vous aviez à recommander vos romans où il est le plus question de gastronomie, selon vous? Lesquels on doit lire? Bien, Chambre 1002, parce que Chambre 1002, c'est vraiment une histoire autour de la gastronomie. Moi, le personnage Hélène est dans le coma, c'est une grande chef et ses amis, au lieu de lui faire écouter de la musique pour la sortir, pour la réveiller, on dit on va faire des plats, on va les faire sentir à Hélène. Donc, c'est pour ça que les plats sont dans le roman aussi, parce que je me disais, c'est bête pour la lectrice ou le lecteur. Il a faim, il a envie d'écouter au moelleux au chocolat. Bon, il n'y a pas la recette. Alors, j'ai la recette du moelleux au chocolat, elle est dans. Ce ne sont pas des recettes compliquées, parce que c'est pas les recettes de la chef elle est dans le coma, donc c'est des recettes de ses amis, mais quand même faites avec énormément d'amitié et de bonheur. Mais il y en a tout le temps des recettes dans le livre. Donc lire l'œuvre de Christine Brouillet, c'est aussi développer son goût, ses goûts pour la gastronomie. Alors merci beaucoup.